מסכת שבת דף קמ"ה עמוד ב', למשנה עוד לפאז'. כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בשבת, חוץ מן המליח הישן. וכוליאסא יספנין, שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. Alors ici, dans cette Mishnah, on va nous parler du dîne de Bishul. En Bishul har Bishul. C'est ça le principe qui se dégage de cette Mishnah. C'est qu'un aliment qui a déjà cuit avant Shabbat, il n'y a aucune interdiction de le mettre à nouveau dans une source de chaleur pendant Shabbat. Pourquoi En Bishul Ahar Bishul. Quelque chose qui a déjà cuit ne peut pas recuire. Alors c'est cela ce que nous dit le début de la Mishnah. Kol Sheba Bechamin Meerev Shabbat. Tout aliment qui est déjà passé par la chaleur avant Shabbat, en d'autres termes, qui a déjà cuit avant Shabbat, Shorin Oto Shabbat. On a le droit pendant Shabbat de le mettre dans un bouillon, dans de l'eau chaude. Pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction, car une fois que ça a déjà cuit, il ne va pas recuire. Alors, il faut quand même savoir que ça, c'est Moutar Minatora, même carrément, on aurait pu le remettre même sur le feu, puisque ça a déjà cuit. Mais Midera Banan, on interdit de remettre sur un clérichon chez Al-Gabehaesh. Pourquoi Merzek et vachelles on donne l'impression de cuire pendant Shabbat un aliment. Bien qu'il ait déjà cuit, et que En Bishul Har Bishul, Torah il n'y a aucun problème, mais Midera il y a sourd comme Mar l'impression que l'on donne de cuire quelque chose pendant Shabbat. C'est pour cela que ce qu'on permet ici, on parle d'un Keli richon chez Eno Al-Gabe Pas dans un Keli richon qui est sur le feu, mais qu'on a retiré du feu. J'ouvre une parenthèse pour faire un petit point de halacha. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il permettrait même sur la plata, c'est-à-dire de mettre dans un Keli qui est sur la plata. Comment ça se fait pourtant C'est sur le feu. Mais lui, il dit que la plata n'est pas un mode de cuisson normal. Est-ce qu'on a déjà vu en semaine quelqu'un cuire sur une plata Non. Pourquoi Parce que la plata, c'est juste pour maintenir chaud. Ce n'est pas une façon de cuisiner. Personne ne cuisine sur la plata. On l'utilise que pour Shabbat, pour entretenir la chaleur maintenir un plat qui a déjà cuit, qui a déjà chauffé, pour le tenir chaud. Mais pas pour cuire, pas pour cuisiner. C'est la raison pour laquelle, d'après lui, on pourrait prendre du frigidaire un aliment sec <coughs> et de le mettre dans une marmite qui est sur la plata. Puisque, « En bichoul ahar bichoul » Quelle serait la raison d'interdire Parce que « et mevachel » Tu donnes l'impression de cuisiner pendant Shabbat, c'est faux. Sur une plata, personne ne cuisine. Donc, c'est son chidouche. Je ferme la parenthèse. Donc je relis la Mishnah. Kol sheba behamin me'erev Shabbat, Tout aliment qui a déjà cuit avant Shabbat peut être à nouveau être placé dans une marmite chaude pendant Shabbat. Shabbat. Mais un aliment qui n'est pas passé par la chaleur avant Shabbat, c'est-à-dire qui n'a pas bouilli, qui n'a pas cuit avant Shabbat, donc c'est de la viande crue. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la mettre dans un keli rishon, car keli rishon mevachel afilo enor al gabei Un bouillon, de l'eau bouillante, qui se trouve dans un keli même s'il n'est plus sur le feu. Il a encore la capacité et la faculté à cuire un aliment qu'on mettrait dedans. Donc c'est un sourd. Tu ne peux pas mettre une viande crue. Par contre, auto c'est quoi madihin auto Maddihin, ça veut dire rincer. Ça veut dire que je peux verser de l'eau chaude dessus. C'est moutard. Houtz, à l'exception. Si c'était du poisson qui était préalablement salé, qui a passé l'année dans le sel, ou un petit poisson salé qui, facilement, très petit poisson qui cuise très facilement, alors c'est assourd de verser de l'eau chaude dessus, car zoigmarmelartan leur rinçage à l'eau bouillante, c'est ce qui va faire que ils vont cuire. C'est ce qu'on appelle des Kalehabichul. habishul, en d'autres termes, des aliments qui cuisent facilement. Un aliment qui cuit facilement, on n'a pas le droit de le mettre dans l'eau chaude, pas seulement de Kelly Richon, mais même de Kelly Cheney ou à plus forte raison de miklirichon. Alors je vous lis ici le Mefaresh parce que c'est un, un point qui nécessite euh, développement. Il y a ici une machloket entre les Rishonim, à savoir quelle est la cavana de la Mishnah quand elle nous interdit de passer des poissons salés sous l'eau bouillante. De Hadda Hattan Gmar Verser sur eux de l'eau chaude, ça s'appelle Gmar melacha, la fin de la cuisson, la finition de la cuisson, de la cuisson et par conséquent, c'est à pendant Shabbat d'être Mevachel. C'est-à-dire qu'en général, des aliments ne vont pas cuire avec cette température, mais il y a des aliments exceptionnels qu'on appelle Kale habichul, qui cuisent facilement, et cela, on interdit même de les passer à l'eau chaude, pas seulement on interdit de les tremper à l'eau chaude de clérichon Alors, quand on dit haddaha, traduction, c'est verser. On a versé de l'eau de quel Keli de Klerichon ou bien on a versé de l'eau de Keliheni. Qu'est-ce qu'on interdit ici On interdit un hirouy, un versement Miklerichon ou on interdit même un hirouy Miklisheni. Qu'est-ce qu'on veut interdire ici Certains richonim veulent dire que ce qui est interdit c'est hiru parce que normalement hiru c'est qui la température de l'eau qui a quitté le kelrichon qui est en plein en plein jet en plein versement ce filet du versement il est déjà froid il ne peut plus cuire comme un clirichon Aïroui est nommé qu Vachel. Quand est-ce qu'il est Vachel Que les kalé habichoul, que des aliments qui sont faciles à cuire comme par exemple du poisson qui a été préalablement salé. Donc puisqu'il peut cuire facilement, c'est à sourd de verser sur lui de l'eau du clérichon, Aïroui D'autres disent que non. Aïroui mi qui clérichon L'eau qui provient d'un Kelirishon, c'est comme un Kelirishon. Et par conséquent, c'est mes vachelles qui déclipa, pas seulement les Kaléhabishou, même ce qui n'est pas Kaléhabishou. Donc on n'aurait pas interdit que les petits poissons salés, ou le Dagmalia et kouliasa ispénine. On aurait interdit tous les aliments. Parce qu'on n'a pas le droit d'eux d'être mes n'importe quel aliment, et n'importe quel aliment va être mis de au moins que des clipas. Bien que l'on dise, tata agavar, que l'aliment qui est en dessous, qui est froid, est plus fort que l'aliment chaud qui arrive dessus, mais comme dit l'agmara dans Psahin, adé Mekerle bala, c'est-à-dire qu'il y a quand même une fine pellicule de la couche supérieure de la viande crue, qui va avoir le temps de cuire au travers de cette collision, de ce choc thermique. Quand il y a de l'eau bouillante qui arrive d'en haut et de la viande froide qui est en dessous, alors il va y avoir cette collision entre le chaud et le froid. Admettons que le froid va refroidir le chaud, mais ça prendra quand même du temps. En attendant, la pellicule supérieure de ce morceau de viande qui était froid a déjà cuit. Et c'est l'effet du clérichon. Alors, qu'est-ce que la Mishnah ici nous autorise quand elle dit qu'on a le droit d'être Maddiyah On a le droit de verser de l'eau chaude dessus. De quelle eau chaude on parle Ça ne peut pas être de l'eau chaude du clirichon. C'est forcément Mikli sheni. Et même l'eau chaude du clirichéni, on l'autorise pour tous les les autres, euh, euh, comment on appelle ça, les autres aliments, mais pas pour les caler à bichoul. Puisque même Kélichénie n'est pas vachelles. Kélichénie n'est pas vachelles mais un aliment normal, mais un aliment qui a été salé pendant longtemps avant Shabbat. Alors pendant Shabbat, je mets de l'eau, même tiède, et bien vite, vite ça cuit. Mais attention, bémol, il faut que ce soit de l'eau qui soit yad beau qui est au moins 45 degrés de chaleur. <coughs> Mais si c'est moi qui ai de sonnet d'être beau, ce n'est pas du tout mes vachelles. Alors, je, si déjà j'ai ouvert une parenthèse de halacha, je pousse encore un peu plus la réflexion. Quel est l'objet de la mahloket entre les rishonim qui disent que klirishon, euh, pardon, iroui me klirishon, c'est qui klirishon, et ceux qui disent que iroui me klirishon, qui klisheni Clérichon et mes vachelles. C'est quoi Klerichon » C'est le Kelly qui était sur le feu. Et même si on l'a retiré du feu, l'eau qui est dedans s'appelle richon Si je mets dedans un aliment, c'est mes vachelles. Kélichénie, ça veut dire quand j'ai transvasé du Klerichon » dans un Clérichon, quand ça se trouve dans le Clérichon, l'homme est vachelle. Mais si j'ai un aliment sur lequel j'ai versé l'eau, Bouillante du kelly rishon Est-ce que cet aliment va cuire comme si je l'avais mis dans le kelly rishon Ou bien ce qui ne va pas cuire comme si je l'avais mis dans un kéli Quel est le statut du irouille, irouille, le jet, le filet d'eau du versement. irouille mais c'est qui kéli ou kéli Bah, Certains disent qu'il certains disent qu'il Quelle est la raison de leur marloquette C'est parce que celui qui pense que c'est qui parce qu'il dit que dans le clérichonne, il y a quelque chose qui est très fort. C'est que l'eau qui a cuit à l'intérieur de ce là, clérichonne, a une force de cuire un autre aliment. Et quand est-ce qu'il va perdre cette faculté de cuire un autre aliment que si, il sera, que si cette eau sera refroidie Et qu'est-ce qui peut refroidir l'eau Il faut deux éléments réunis, deux facteurs. Uno, qu'il soit versé dans l'air. L'air est un élément refroidissant. Secondo, c'est les parois du kélichénie. Les parois froides du kélichénie, ça, ça refroidit à nouveau l'eau qui va être versée dedans. Lorsqu'on a ces deux facteurs réunis, en effet, on a un refroidissement de l'eau qui fait que maintenant, dans le Kelicheni, ça ne peut plus être mes vachelles. Mais tant qu'on n'a pas les deux facteurs réunis, on a juste le refroidissement de l'air, ça ne suffit pas pour retirer à cette eau chaude la faculté de cuire un aliment. C'est pour cela que si je verse de l'eau miclérichone sur un aliment, ça le cuit. Alors de quoi on parle ici Quand on nous a, on nous a dit que c'est moutard de verser de l'eau chaude sur un aliment, on parle de aéroïmiclisheny. Mais d'autres vont dire que non, aéroïmiclisheny, c'est quiclisheny. Et si c'est quiclisheny, c'est-à-dire on n'a pas besoin de deux facteurs réunis pour refroidir l'eau, même le refroidissement dans l'air suffit pour retirer à l'eau chaude son statut de clérichon, il ne peut plus être mévachel. Donc c'est moutard de verser sur tous les aliments. Sauf sur quel aliment qui est interdit? Kalehabishul. Ceux qui sont midbashlim bekalut. à savoir un aliment qui était euh, la, la, du, du poisson qui était salé. Malia Hayashan. De du poisson qui était salé pendant longtemps, ou des petits poissons salés, tout cela, ça cuit facilement. et eh bien, ça cuit avec le hiroui mikleri Mais il n'y aura pas de hissour dans Kelisheni. Il n'y aura pas de hissour dans hiroui mikleri le Le il sera seulement Behaddaha. La Gemara demande Kegonmaï. Quand on a dit au début de la Mishnah, Kol Sheba Bechamin, Mearev Shabbat, Shorin Bechamin be L'Agmara cherche à connaître un cas de figure précis qu'ils avaient l'habitude de faire, de remettre dans de l'eau bouillante un aliment qui avait déjà cuit. À quelle occasion on allait faire une chose pareille? Amarav Safra, ke Abba. C'est-à-dire, Rabbi Abba avait l'habitude, après avoir cuit la, la poule, une fois qu'on avait déjà cuit le poulet, il le prenait et il le mettait dans de l'eau chaude pendant quelques jours. Et jusqu'à ce que ça allait fondre, s'effriter, la chair de la volaille allait s'effriter. Et à quoi ça allait servir Eh bien, ça allait servir comme réfou, ah, comme médicament. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas très beau, mais les, les malades prenaient ce, cela comme traitement médical. Donc voilà un exemple. Tu veux avoir un exemple d'un aliment qui a déjà cuit avant Shabbat et qu'on remet à tremper dans de l'eau bouillante Eh bien, comme par exemple, ta des Rabbi Abba. Ve'amar Rav Safra, <coughs> puisqu'on en a parlé, la Gemara va un peu développer ce sujet. Ça va être assez drôle. Ve'amar Rav Safra, zimnah hadai hatam, lehatam ve'uchlan mine. Rav Safra raconte. Un jour il était là-bas en Eretz Israël, dans la ville de Rabbi Abba, et on lui a donné à manger de, ce, de, ce, de cette volaille fondue dans l'eau bouillante, mais Ochlan Miné, parce que certainement il était malade, et il a dit qu'il était tellement écœuré de cette boisson, de cette consommation, qu'il avait envie de vomir. Et heureusement qu'on lui a donné du bon vin, qui lui a permis de se retenir. Abba des Hamra Et s'il n'y avait pas Rabbi Abba qui était présent pour me donner à boire du vieux vin âgé de 3 ans, eh bien j'aurais vomi tellement j'étais écœuré de cette boisson. Eh bien, de la même façon que Rav Safra a raconté qu'il était dégoûté de ce que Rabbi Abba préparait en Eret-Israël, Gemara raconte aussi que... Rabbi Hanan raik e. Rabbi Hanan habitait en Eretz Israël et quand on lui parlait du Kutah Bavli, kutar, c'est une sorte de vinaigrette que les Babyloniens fabriquaient très souvent. C'était composé de trois éléments premièrement du pain moisi, deuxièmement du sel, troisièmement du lait. Et on mélangeait les trois. On allait bien les battre, bien 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 les battre, <coughs> et ça devenait une crème à tartiner. Rabbi Hanan, quand il pensait à cela, il était tellement écœuré qu'il crachait. Ça le dégoûtait. Alors l'Agmara raconte, à Rabbi Yosef, golta Abba. Rabbi Yosef était un petit peu vexé que Rabbi Hanan, des rechts d'israël était dégoûté des plats des Babyloniens. Il a dit eh bien nous aussi on peut être écœurés de la tarné-golette de Rabbi Abba Rabbi Abba qui avait fait qui avait élaboré ce médicament ce remède médical qui était élaboré à partir d'une volaille qu'on avait cuit d'abord et ensuite trempé quelques jours dans l'eau bouillante. Il dit eh bien si on venait à critiquer les plats mutuellement nous aussi on peut être écœurés de la tarné-golette de Rabbi Abba. Et d'ailleurs, disait Rav Yosef, notre Kutah, il n'est pas si dégoûtant que ça. De Amarav Gaza, puisque moi j'ai entendu une histoire que Rav Gaza, c'était un Rav babylonien, Zimna Hadda le Leatam, il a dit j'étais un jour en Israël, et je leur ai montré, je leur ai fabriqué le Kutah à Bavli, et bien tous les malades d'Eretz Israël m'ont demandé... Que euh, si je pouvais leur donner de cela parce que ça leur faisait du bien, c'était très fort et ça leur donnait du punch, eh bien, il dit je vois qu'ils ne sont pas si dégoûtés que ça. Rabbi Yochanan a été queré en pensant au Kuta Rabavli et pourtant, beaucoup des habitants des Rés Israël, non seulement qui n'ont pas été dégoûtés, mais bien au contraire, ils en ont réclamé encore. Voilà pour l'histoire, pour l'anecdote. Et la maintenant Re, revient à ce que disait la Mishnah. « Kol she ba Shabbat moto hutz tout ce qui est cru on n'a pas le droit de oh, pardon on peut le laver à l'eau chaude le rincer à l'eau chaude à l'exception de ce qui cuit facilement tel que le poisson salé ou kuliya <coughs> saispenin la pose la question, Hédiah Mai, quel est le dîne si l'homme a transgressé ce Issour de faire passer à l'eau chaude le Maliah, le poisson salé, ou le Koulias à ispénine, La différence entre Maliah et Koulias à ispénine, bien que les deux soient du poisson salé, c'est que l'autre, le, le Maliah, c'est un poisson qui est grand, qui est dur, ce n'est pas un petit poisson qui cuit facilement. Mais seulement pourquoi il cuit facilement, c'est parce qu'on l'a laissé pendant un an mariner dans le sel. Tandis que le koulia à Ispénine aussi, on l'a salé, mais pas longtemps. Les deux sont calés à Bichoul. Quel est le din bedi avad, a posteriori, si il a passé à l'eau chaude Et quand je vous dis passer à l'eau chaude, vous comprenez immédiatement que ça dépend de la marloquette. Est-ce que c'est à Hiroui Meklirichon ou Hiroui Meklicheni quel est le Amar Rabbi Yosef, et dia hayav hatat. Rabbi Yosef va dire, il est hayav hatat, il est passible d'un corban expiatoire. <coughs> Car il a commis une infraction thoraïque. Amar morbére de Rabbina. Afananamitanina, hutz mimalia hayashan de kulia sa ispenin, hatan zu igmar melartan. Shma mina. Euh, Morberé de Ravina dit qu'en effet, il est chayav puisque euh, la Mishnah elle-même a dit Hadahatan zoï gmar melachtan. Quand tu dis gmar melacha, ça veut dire que c'est la cuisson finale, c'est la finition de la cuisson. Il a commencé par le marinage, mais il a terminé par une vraie cuisson avec la chaleur de l'eau chaude, étant donné qu'il était pré par le sel. Eh bien L'eau chaude a eu un effet et un impact de finition. Donc la cuisson est terminée grâce à ce rinçage à l'eau chaude. Donc évidemment, Kilechaya Fratat pour le Bishul béchabat Shema Yativ Un jour, il y avait deux élèves qui étaient devant leur maître. Le maître, c'était Rabbi Yohanan ces deux élèves étaient Rabbi Khiya Baraba et Rabbi Asi. Et le maître, Rabbi Hanan, s'est mis à somnoler. Ils étudiaient des heures et des heures, et au milieu du shiur, le rave, qui n'avait certainement pas beaucoup dormi, s'est mis à somnoler. Alors pendant cette somnolence de Rabbi Hanan, les élèves ont profité pour échanger. Et là, ils vont parler de choses diverses et variées.

de Haza, qui fait partie des Israël, et tu vas voir que il existe en Israël des oiseaux plus gras que ceux de Babylone. Donc euh, ce n'est pas une règle euh, sans exception. <laughs> Entre parenthèses, le mot Kelach, Kelach, Rachid dit que c'est la, la contraction de deux mots, l'echa, l'echa. Lech Lecha. Clar, c'est la contraction de deux mots. Deuxième question qu'il lui a posée. Il lui a dit pourquoi les fêtes célébrées en Babylonie sont célébrées dans une joie plus intense que celle qui est ressentie en Israël pendant les fêtes. Il lui a dit Il lui a répondu parce que. En Babylonie, ils sont pauvres, alors lorsque la période des fêtes arrive, ils mangent bien, ils s'habillent bien, alors ils sont tellement heureux que la joie est euphorique. Tandis qu'en Israël, toute l'année c'est la fête, donc la fête, relativement, n'est pas aussi retentissante qu'en Babylonie. Troisième question. « Mipnema » Talmidé Chachamim chez Bebavel Metsuyanim. Il lui a dit pourquoi les Talmidé Chachamim de Babylonie sont très bien habillés. Ils ont des vêtements majestueux avec une, une distinction ils sont remarquables. Il lui a dit les filles chez Enan Benetora. Il lui a dit parce que justement, ils ne sont pas suffisamment Talmidé Chachamim, alors ils se mettent en relief pour se distinguer de la population. Par le biais de leurs vêtements. Quatrième question « mipnema lui a dit pourquoi les ovne les nochrim, les goyim sont impurs dans le sens de, de leur nature « mipne sheoklim lui a dit parce qu'ils mangent des reptiles donc ils intègrent la nature de ces rampants, c'est pour ça qu'ils sont Tme'im. Très bien. Ita'ar <coughs> behu Rabbi Hanan, Hanan qui en somnolant avait entendu toute leur discussion, il s'est réveillé par la suite Amarlehu » Il leur a dit dardeké et les jeunes locahamarti lachem, n'est-ce pas que plusieurs fois je vous ai dit est mort la la, la sagesse, tu dois la considérer comme ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim disent que quand tu étudies la Torah, essaye de la retenir de manière à ce que quand on te pose des questions, que tu puisses répondre immédiatement sans hésiter. barur Comme tu le sais, que ta sœur elle est interdite. Ça c'est quelque chose qui est connu de tous. Personne ne va hésiter par rapport à cette halakha. Ainsi, toute la halakhot toute la qu'on te demande, tu dois y répondre immédiatement. Alors, <coughs> il aura cité ce pasouk La chokma La halakhot, tu dois la considérer comme ta sœur, c'est-à-dire Si la chose est claire dans ton esprit, autant que cette halakha, à savoir, l'interdiction de se marier avec sa sœur, ça c'est une chose qui est connue de tous. Alors, dans ce cas-là, tu t'exprimes et tu répondras. Mais si la chose n'est pas claire à tes yeux, autant que la halakha de Ahotra, ce n'est pas la peine de t'exprimer. En d'autres termes, ne dis que ce que tu sais avec certitude. Alors, ils lui ont dit, « Amroulé, velima l'anmar » Et Zemehen, alors s'il te plaît, puisque nos réponses ne t'ont pas satisfait, alors donne-nous-toi la réponse à quelques-unes de ces questions. Pourquoi les oiseaux, Israël, pardon, les oiseaux de Babylonie sont plus gras que ceux d'Eretz Israël Écoutez la réponse incroyable. Il leur a dit parce que. Il y a eu la galoute après la destruction du temple, du premier Beth Amikdash. Quelqu'un qui va en galoute maigrit. Il n'est plus dans ses aises, il n'a plus son confort, il n'a plus la possibilité de s'engraisser. C'est la raison pour laquelle, étant donné que pas seulement les bénis Israël sont partis en galoute, mais Eretzraël a été vidé. Même des animaux, même des volailles. Ils sont tous partis en galoute. Et c'est pour ça qu'ils sont maigres. Alors que les oiseaux babyloniens sont restés tranquilles, sereins. C'est pour ça qu'ils sont plus gros, plus gras. De quel passout qu'on voit cela, Sha'anan Moav, minerourav, Moav n'a pas été en exil. Il est resté serein. Depuis sa jeunesse, c'est-à-dire il n'a pas bougé, « Il repose sur sa lit » comme du lin qui repose sur la lit. « Ubagola Il n'a pas été en exil »« Alken La suite de ce verset, c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle son « ta'am » et son « reyah » n'a pas changé. Ce qui veut dire que la galoute retire le « ta'am ». Ainsi, les oiseaux ont perdu de leur graisse avec cette galoute. <coughs> Et d'où sait-on que même les volailles des Israël ont été en Galoute au moment du Horban Après la destruction du premier Beth-Amigdash, pendant 52 ans, personne n'est passé dans la Judée. Comme disait Irmia Hanavi sur les montagnes, et je vais élever ma voix pour pleurer. Véalné ot midbar kina exprimé là-bas dans le désert mes lamentations. Kine tsetou mi envers, car cet endroit était brûlé, plus personne n'est passé par là. Vélochamro kol mi on n'a plus entendu même pas <coughs> le braiment des animaux. Mais depuis les volailles du ciel, des oiseaux, des oiseaux du ciel, jusqu'aux animaux, ils ont été exilés, ils sont partis. Donc, tu vois que même les volailles ont été en galoute. Et pendant combien d'années Ad behema, jusqu'à la guémataria de behema. Behema, c'est combien en valeur numérique Bet he, mem he, 52. Hamishin vetartin havu. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé Après 52 ans des 70 ans de Galout Bavel, eh bien, Koresh avait de, donné le droit de reconstruire le deuxième étamigdash. C'est ce qu'on appelle Ret Pekida. Il n'y a pas eu encore la Geoula, c'est-à-dire le retour de la Babylonie vers Eret Israël, comme ça s'est passé plus tard après 70 ans, où en effet Ezra Sopher. Et remonté en Eretz-Israël avec plus de 40 000 juifs. Ils sont arrivés en Eretz-Israël, ils ont reconstruit le deuxième Tamikdash, mais ils avaient commencé et ils avaient été empêchés à cause des pays voisins qui ont été faire des révolutions et toutes sortes de propagandes pour empêcher. Mais en tout cas, il y a eu le, la pre, le premier germe du retour à Zion. Et, et ça, ça s'appelle « Et Pekida ». Et après cela, il y a eu la Gzera de Haman. Après ce de Pekida. En quelque sorte, l'histoire se répète. On voit ici Bauch Hashem, aujourd'hui en Eretz Israël, ce qu'on pourrait qualifier de Pekida. Mais après ça, il y a tous les problèmes qui jaillissent. Jusqu'à la Geoula. Donc, en effet. Rad Behema. Behema, Gemataria 52 qui veut dire pendant 52 ans, c'est la raison pour laquelle il leur a dit, même les volailles ont subi un impact de cette galoute, elles ont été amaigries. <coughs> Ensuite, tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux sont tous revenus en Eretz Israël avec le retour de, du Ram Israël. Il y a eu un seul poisson qui n'est pas revenu en Israël. C'est le poisson on, dont on a vu dans la Mishnah, Kuliya sa Penin. Lui, étant donné que, nous dit la Gemara, il n'a il pas une colonne vertébrale qui est très forte, il n'arrivait pas à remonter. Des Amarav de mahdere en etam. Ces marches qui vont de Babel jusqu'en Eretz Israël, qui permettent à l'eau de se déverser dans le Nahar Perat, des d'Eretz Israël, qui vont jusqu'au Nahar Perat, eh bien, ont permis à tous ces à tous ces oiseaux de remonter jusqu'à En Etam. Jusqu'à un état d'Eretz Israël. Et sauf, hay, c'est-à-dire le koulias aïs penin, kevan de sharir comme sa chidra, sa colonne vertébrale n'est pas forte, n'est pas robuste, l'homatsisalik. Il n'a pas la force de remonter. Très bien. Encore, ils lui ont demandé mi ma moradim shebebavel semehim. Pourquoi est-ce que les fêtes célébrées en Babylone sont plus joyeuses que les fêtes de pèlerinage célébrées en Éret Israël? Réponse: mipnei she lo hayu beotak lala dihtiv veishbati kol mesosah hagah hotshav veishabata vechol morada uktiv hotshchemu moradchem san anafshi hayu Alay la Torah. Terrible. Il leur a dit, quand Ekadosh Baruchrou avait décidé de détruire le premier metamikdash, il a envoyé dire au Ram Israël Sachez que vos fêtes, je ne les apprécie pas. Loin de là. Je les hais. J'ai un mépris pour vos fêtes. La, la manière comment vous célébrez vos fêtes, sachez qu'un jour, je vais arrêter je vais neutraliser votre simcha batik Kol Mesosa, je vais arrêter toute sa joie. Haga et Hagim. hodcha le hodesh, shabbat le Shabbat. Chol Moada. Toutes les fêtes. Hodshechem ou Moadechem Hayu alay la Torah. Terrible! Eh bien, c'est la raison pour laquelle, sous l'impact de cette malédiction, en Eretz Israël, on en souffre encore de cette clala. Voilà pourquoi. La Simre'el n'est pas toute, elle n'est pas parfaite. comme Comment la l'arrête? Incroyable. Ma'ihayu ralei la Torah, Amar abila azar Amar Kadosh Baruch Hu. Lodayan Israël shehotin nefana ilashematrihinotileda izo gzera kasha avi alehen. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu dit, Torah, il me dérange. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dérange. Non seulement qu'ils ont faute. Mais en plus, il me préoccupe, il me, il me pousse à cette préoccupation de savoir quelles sanctions maintenant je vais leur envoyer pour les châtier. Alors, juste l'explication simple, ça veut dire que un père, quand il est obligé de corriger son fils et qu'il est obligé de sévir en le sanctionnant, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. Alors, ham Israël, non seulement que vous avez fauté, donc vous me chagrinez, mais en plus, le double chagrin, c'est que vous m'obligez à vous, à vous sanctionner. Mais ici, il explique comme ça que ham Israël, c'est sûr qu'ils ont célébré les fêtes, mais ce n'était pas les Shem c'était que pour se faire plaisir. ham Israël, qui est amoradot, à Aval simchatam haïta, shelo les Shem Shamaïm, et là, les avatam, כפור לך תאווה. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, חודשים ומועדים אלו שלכם, חודשכם, מועדכם שנאה נפשי. אין לי מהם אלא טרחה לדע איזה עונש אביא עליכם, מידה כנגד מידה, שכן סוף סוף מקיימים הם את המועדות ושמחים בהם. ואכן העונש שגזר עליהם הקדוש ברוך הוא, היה והשבתי כל משושה וכל מועדה. Bitul simhat amoradot, sheloaita shamaim, zéro Akadosh dit D'une part vous faites la mitzvah, mais d'autre part vous ne la faites pas les shamaim, que pour vous remplir le ventre pendant ces fêtes-là. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je vous punisse, mida keneged mida. C'est que pendant les fêtes, vous n'ayez pas de joie. Comment Il va leur envoyer des perturbations pendant les fêtes. Il y aura des fêtes, mais sans joie. Comment <coughs> Rabbi Tzra'k nous dit, il n'y avait pas une fête en Eretz Israël où ils n'ont pas souffert de, de régiments de soldats envoyés par le roi romain qui venaient pour venir et piller la ville de Tzipori. Pendant les fêtes, justement. C'est-à-dire, juste pendant les fêtes, ils arrivaient à Tibériade pour, soi-disant, venir réclamer des impôts. Alors ils venaient et ils spoliaient des biens des Juifs, qui ça, les c'était donc des gouverneurs. Des camtons, des commandants, des policiers, ils n'ont trouvé que eux, les fêtes pour venir. Et en fait, c'était Mina Shamaim, parce que je vois qu'il a envoyé cette clala, Veishbati, je vais neutraliser, Kolmesosa, toute sa joie, Hagar Moada. Donc, voilà pourquoi les fêtes en la arrête elles sont plus joyeuses, car elles n'ont pas subi les méfaits de cette claque-là. Alors l'Agmara maintenant nous cite la réponse de Rabbi Hanan à la quatrième question. Pourquoi les Talmidei Hanan de Babylonie sont bien habillés? En fait, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas savants en Torah comme prétendaient les élèves de Rabbi Hanan, mais il dit parce que ils ont été en galoute des Israël. Et ils se sont habitués à bien s'habiller. Car quelqu'un qui se déplace vers un endroit où il est inconnu, alors il s'habille bien pour qu'on puisse le considérer important, parce qu'il n'a pas ses marques dans la société. Mais dans l'endroit où il vit d'habitude, étant donné que tout le monde le connaît et connaît sa valeur, il n'a pas besoin de bien s'habiller pour faire bonne impression car il y avait un proverbe à l'époque: bemata shemay, belomata Mata c'est un endroit en araméen. Bemata, bamakom sheli, shemay, achem, mon nom, ma réputation, ma renommée suffit. Belomata, mais si je suis en exil dans un lieu où je suis inconnu, j'ai besoin de mes vêtements pour que mes vêtements parlent de moi en quelque sorte. Et la cite un pasouk pour dire qu'en effet c'est vrai que les talmudéchachamim de Babylonie n'étaient pas des gens simples, ils étaient ô combien connaisseurs en Torah, et s'ils s'habillaient bien, c'était pas pour compenser leur ignorance en Torah, mais juste comme on a dit, comme ils étaient en galoute, alors il fallait, au moment du déplacement vers la Babylonie, bien s'habiller pour être reconnu. » D'où on apprend que Behmed, c'était des Talmidech hachamim en Babylonie. Habbaim Yashresh Yaakov, Yatsid Suparach Israël. Tanerab Yosef, Elou <coughs> Talmidech Akramim, Shebebavel, Sherosin Tzitzin Uprahim la Torah. Habbaim. Ceux qui sont venus en Babylonie après la Galoute, Yashresh Yaakov, Yatsid uparach Israël. Eh bien, ils ont fait évoluer la Torah. Ils l'ont fait fleurir, ils lui ont mis des fleurs, des couronnes, c'est des drachotes extraordinaires qui ont été enseignées justement en Babylonie par les Talmidech Hakhamim. C'est pour corroborer la thèse de Rabbi Hanan qui prétendait qu'en effet, s'ils s'habillent bien, ce n'est pas pour compenser leur ignorance. Enfin, dernière question. Mipnema Shelo Amdu al » Pourquoi les goïmes sont impurs C'est parce qu'ils ne se sont pas tenus au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Quel rapport Car au moment où le serpent était venu voir Hava et l'a incité à manger du fruit interdit, eh bien il a violé. Il a une relation intime avec elle. Alors, cette. Cette euh, Toum'a qu'il a, qu a injectée dans, dans Hava, ça a fait que tous les descendants qu'elle a eu après, ils étaient influencés de cette Toum'a, de cette crasse. Seulement, cette Toum'a-là s'est arrêtée, elle s'est estompée avec le Israel she amdu al -har Matan Torah. Israël She'amdou al-Harsinai, paskazu Amatan. Amdou al-Harsinai, Lo, al lo paskazu alors Israël qui se sont tenus devant le mont Sinaï, ont été nettoyés et lavés de tout cela, de toute cette Tum'a. Tandis que les goïms qui n'ont pas reçu la Torah, eh bien ils sont restés avec cette Tum'a. Rachid dit, regardez le premier Rachid de la page. Quand il lui a donné ce conseil de manger du fruit interdit, eh bien, il a une relation avec elle. « Dirti ani la nissu'in » Quand elle a dit « le nahash m'a induit en erreur pour me faire manger du fruit interdit », en réalité, elle n'a pas dit simplement « hit'ani », il m'a mis en ta'out, elle a dit « hishi'ani ». C'est quoi ce terme Rachidi, ça vient du mot « nissu'in », comme un mariage, ça veut dire qu'il a violé. Vous savez que le Nahash à l'époque, il marchait euh, verticalement, <coughs> jusqu'à ce qu'il lui ait coupé les pattes. Après, il est devenu rampant. Amar, les des les et les Ravach, alors maintenant, la question qu'il va lui poser, il va lui dire comme ça. Guérim, les Guérim, les convertis au judaïsme, eux aussi sont purs. Et pourtant, eux, leurs ancêtres, n'étaient pas présents au moment du matin de Torah. Alors quoi, ils ont conservé cette impureté Alors il a dit non, eux ils sont purs, pourquoi A marler, même si eux n'étaient pas là-bas physiquement, mais leur mazal était là-bas, c'est-à-dire leur neshama. La neshama des Guérim se trouvait présente au moment de matin de Torah. Dirti, comme il est écrit dans le pasouk que Moshe Abenou a dit au Bnei Israël, qu'Hachem a établi une alliance, pas seulement avec ceux qui sont là présents, mais même ceux qui ne sont pas là. Ça veut dire même les guérims qui viendront plus tard se convertir au judaïsme, leur Neshama était déjà présente au moment de Kabbalah Tatorah. Voilà pourquoi ils ont été également purifiés. <coughs> Et la Gemara dit :« Opliga de Rabbi Abba Bar <coughs> De Amar Rabbi Abba Bar Kahana, aad shlosha dorot lo, parce que zo ama me avoteinu. Avraham holidet Ishmael, Itzchak holidet Eisav, Yaakov holid shne mazar shvatim shelo yabaim shum dofi. D'après Rabbi Abba Bar il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanan pour dire que les les bnei Avraham, Itzchak et Yaakov. Et avait encore de la zuhama cette tum'a jusqu'au matin de Torah. D'après lui, ça s'est arrêté déjà à l'époque des douze tribus. Pourquoi Abraham Avinu était le fils de Terah, donc il y avait en lui la tum'a qu'il a, qu a héritée de Terah. Mais quand il s'est marié, il a eu deux femmes. Il a eu d'abord, ça veut dire, il a été avec la servante Hagar sur la demande de Sarah, et ensuite il a eu un enfant de Sarah. Quel enfant il a eu de Hagar Ishmael. Ensuite de Sarah, Itzhak. Donc Hagar lui a pris la grosse clipa, la grosse tum'a qui était Ishmael. Ensuite, de Itzhak qui va naître de Sarah, il faut retirer maintenant la fine klipa, Comme dans les noix, vous avez la coquille de noix et ensuite vous avez une fine pellicule qui est collée à la noix. Maintenant, il faut retirer la deuxième clipa. Pour cela, il fallait deux jumeaux dans le ventre de la même femme. Il fallait épurer de manière beaucoup plus subtile. Et donc Rivka va donner naissance à deux enfants. Yarakov et reisav. reisav va prendre cette clipa, va être la clipa de la Touma, et Yarakov behir sheba avot, le choisi parmi les trois patriarches, entièrement pur. C'est la raison pour laquelle il va donner naissance à douze enfants. C'est comme des <coughs> amis, comme des Je relis. Au plegat de Rabi Abba bar kana de Amra Abba bar kana. Ad 3 dorot, la Pâques ou Amma me avotenu. Abraham, l'idit Ishmaël. Isaac, holidat Isaav, Jacob holidat 12 javtim, chlo haya bahem shum dofi. Ehn avait aucun défaut. Mitato shelema, son lit était parfait. Donc d'après lui, en effet c'est déjà avant Matan Torah, bien avant. Déjà avant de descendre en, en Mitzrayim, il n'y avait plus de Zohama. Cette euh, Tum'a du de, de Haïd Adam cette Zohama du Nahash.